Le gouvernement a rendu public l'un des plus grands vols d'œuvres d'art depuis des décennies. Ce sont plusieurs dizaines d'objets d'art précolombiens, dont certains datent de l'ère aztèque, qui ont disparu du musée national de Juárez. Tout le monde est prêt? Allons-y, posez votre cul. Je les vois. Une, deux, trois voitures devant. Restez calme, on vous couvre! C'est pas un problème. J'ai une cargaison de flingues pour eux. Surveillez les collines. Toi, t'es un homme mort. Un bon gros flic mort. Alvarez! Non! Fils de pute! Abattez-les! Descendez-moi les snipers, Kera. Il s'est passé quoi? Evans! Cet enfoiré leur a tiré dessus! Butez-les! Qui? Alvarez! Du calme, Evans. Là, j'ai besoin de vous. Ah, la pute! Où est Jess? Elle va bien? Vous la voyez? Elle est vivante? Ça fait rien! Trouvez-la! Pas maintenant, putain! Alvarez, sale fils d'enfoiré!
J'enivrerai de sang mes flèches et mon épée se repaîtra de chair et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis ou un truc de ce genre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée. Ils m'ont coincé, les fils de pute. Faut l'évacuer. Accrochez-vous, Ben. On vient vous chercher. J'enivrerai de sang mes flèches, et mon épée se repaîtra de chair, et je me baignerai dans le sang de mes putains d'ennemis, ou un truc de genre. Kira, il monte. Aidez-moi pourtant. Ah, putain. Il se passe quoi là-haut? On a un problème. Tenez-moi. Vous allez les buter ou quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une putain d'épée.
Putain! Vous faites quoi, Evans? Couvrez-moi, bordel! L'enfoiré est mort. Ben, attention. Ben. Butez-les. En voiture, tout de suite. Bon sang! Ben! Tenez-la! On va la perdre! Tiens bon, Jess. Lâche pas! Allez, regarde-moi, petite, regarde-moi! Guerra, on putain, y va! Tu m'entends? Chier, dégage! Allez, bon Jess, de merde, tiens allez! Le coup. Tiens bon! Ne lâche pas, Jess! Écoute-moi, regarde-moi! Eddie, à la clé! Deux semaines après l'attentat contre la DEA, nous apprenons à l'instant le décès tragique de Jessica Stone, la fille de Patrick Stone, lui-même victime de l'attentat qui avait coûté la vie à sept agents fédéraux. Des sources officieuses nous rapportent que Mademoiselle Stone était citée comme témoin dans l'enquête sur l'attentat, et sous la protection directe d'une force d'intervention spécialement mise sur pied pour retrouver les terroristes. Le
ministère de la Justice. Combien ils t'ont payé, fils de pute? Combien? Vous essayez de me dire quoi? On sait que Don Levy t'a donné la clé. Jess a tout vu. T'es dans quel camp, putain de merde? Et j'étais censé faire quoi, moi? L'un d'entre vous m'a balancé à la police des polices, bordel! Je sais plus à qui me fier. Mais sûrement pas à cette pute. Quoi? Tu te souviens comment Don Levy a été refroidi? Tu penses vraiment qu'Alvarez a pu l'atteindre dans cette foule? Qu'est-ce que tu insinues, putain? Il n'insinue rien du tout, il affirme que c'est toi qui l'as dégommé. C'est dingue! Don Levy était un pourri, il travaillait pour le cartel. Ben voyons. Qui t'a dit ça? Waters? Tu l'as appelé, pas vrai? C'est pas Dixon qui a amené Alvarez au club, c'est toi. Non mais tu réfléchis à ce que tu dis là? Je t'ai vu parler à Alvarez quand on était avec Duke. Et ensuite cette pauvre fille... Me fous pas ça sur le dos! T'étais tellement occupé à plomber Alvarez que tu te foutais bien de blesser quelqu'un. Qu'est-ce que tu trafiques avec Alvarez? Qu'est-ce qu'il cherche avec toi? Il a dit qu'il me donnerait l'heure et le lieu du rendez-vous avec Duke en échange de l'argent qu'on a volé à Juan. Il doit me contacter. Alvarez est une ordure, mais si on veut même de c'est ça... C'est pas seulement une ordure, c'est un psychopathe. Et il est hors de question que je passe un marché avec ce fils de pute. Où est la clé? La voilà, mais à quoi elle nous sert? Je sais même pas ce que ça veut dire, Eagle Pass. Putain de code à la con. Moi, je sais. Accouche? C'est quoi? La question n'est pas quoi, mais où? La Policía Federal de México está investigando lo que parece ser una violenta balacera cerca de la carretera 2 por Lago Seco, 30 millas al oeste de Ciudad Juárez. Se han encontrado varios muertos, pero todavía no han sido identificados. Un oficial dice que hasta la fecha aún no se tiene ninguna pista sobre estos asesinatos, pero continúan con la investigación. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos va de camino a la Ciudad de México para una cumbre internacional en comercio.